Revenons ce midi sur la tournée du ministre de la Sécurité qui a achevé par le Sourou et le Nayala sa visite de prise de contact avec les forces de sécurité, donc de la boucle du Moun. Simon Compaoré, qui a effectué cette sortie au pas de course, a pu s'enquérir des conditions de vie et de travail des policiers et gendarmes qui œuvrent en faveur de la sécurité des populations. Dans les deux dernières provinces, le ministre Compaoré a entendu les mêmes préoccupations des forces de sécurité. Reportage Moussa Ouédraogo, Frédéric Étienne Bassenga. Pour son dernier jour dans la boucle du Moun, le ministre de la Sécurité a sillonné deux provinces, le Sourou et le Nayala. À Tougan, ce sont les gendarmes qui l'ont reçu en premier. Ici, comme dans les autres communes visitées, le problème d'infrastructure se pose avec acuité. Le bâtiment qu'abrite la compagnie administrative, et que c'est tous les problèmes même de la compagnie de Tougan peut se résumer à ce bâtiment. Hein? C'est un bâtiment d'emprunt et ce n'est pas encore affecté à la gendarmerie. Donc il y a beaucoup de réflexions à faire à l'intérieur. Mais dès lors que ce n'est pas affecté, pour faire des réflexions, bon, c'est un peu difficile. Chez les policiers de Tougan, au-delà des difficultés, la hiérarchie a mis l'accent sur la collaboration avec les autres couches socioprofessionnelles. Regarde la promptitude des prestations policières. Diverses couches socio-professionnelles contribuent chacune à sa manière au bon fonctionnement des services de police. Je veux parler des vidanges de nos véhicules, des motocyclettes, transports, souvent des transports gratuits parce qu'on a TKF qui transportent des policiers et leurs familles gratuitement lors des affections, lors des situations délicates. Nous avons des dons de fourniture de bureaux. L'administration générale, monsieur le haut-commissaire, m'a plusieurs fois appelé, venez prendre quelques rames, monsieur le maire. Et nous avons, pour la réparation de nos mobiliers, nous avons l'association des soudeurs, des commerçants qui nous viennent en aide pour qu'on puisse souder les chaises, tout et tout le mobilier. Et nous avons la réfection des toitures, souvent, surtout en saison pluvieuse, on va encore diagnostiquer, on va faire appel aux OSC qui vont nous voler au secours. Avant et après Tougan, le ministre de la Sécurité a rencontré les policiers et les gendarmes de Gassan et de Touma. Dans toutes ces localités, Simon Compaoré les a demandé d'être des professionnels, de cultiver la solidarité et de faire de la transparence une des vertus clés dans l'exercice de leurs fonctions.